Mon mari s'est intéressé au projet du musée du Quai Branly parce qu'il était très triste de voir ce qui s'était passé au musée de l'Homme, c'est-à-dire c'était un musée qui s'était complètement endormi. Il a dit que ça n'était pas encore au point, mais ce n'était pas négatif. Ce musée venait d'ouvrir et il voyait très bien qu'il allait y avoir des ajustements. Certaines œuvres étaient montrées trop bas, d'autres trop haut. Il voyait que c'était les débuts des tâtonnements. Mais l'endroit lui-même lui plaisait beaucoup, puis il connaissait toutes ses œuvres. Il se disait que ça serait magnifique quand elles seraient toutes bien montrées. Et il y croyait vraiment, et il a eu raison. Ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas pu voir les très belles expositions que vous avez faites dans ces 10 dernières années.